Bonjour à tous. Il rigole. Alors, je suis effectivement un petit peu en retard. Les derniers clients partant et je m'excuse. Et je vais attendre, je vais en profiter d'attendre que ça se connecte. Comme d'habitude. Bonjour à ceux qui arrivent. Alors, je ne vais pas trop traîner parce qu'il est un petit peu l'heure passée. Voilà. Et aujourd'hui, comme prévu, je vais vous amener. Oui, c'est assez dur aujourd'hui, je vous avoue. Je vais faire une petite aparté rapidement pour remercier toute mon équipe, en tout cas une très bonne partie, même tout le monde, pour le travail hier. On était à Granville, donc au trail urbain La Grand-Villaise, 8 km, un peu plus de 8 km pour tous. Merci à toute mon équipe. Le classement, c'est Benoît qui doit l'avoir. Je n'ai pas regardé. Tout ce qui est sûr, c'est qu'on a tous pris plaisir, on s'est tous éclatés. Une belle petite soirée, et donc merci vraiment à tous. C'était l'aparté, donc effectivement, aujourd'hui c'est un petit peu dur, mais ça a fait bien plaisir de retrouver les courses et de retrouver. Retrouver un esprit de compète, si on peut dire. Non, non, vraiment très sympa. Donc, c'était le petit aparté. Je vous amène aujourd'hui, comme je vous ai promis, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de live et j'en profite. Ce midi, je vous amène et je m'excuse puisque le soleil n'est plus trop là en ce moment, mais je vais essayer de vous apporter, en tout cas ce midi, un petit peu de soleil, un petit peu de chaleur et un petit peu de couleur. Voilà, donc je vais vous présenter ce midi les solaires binocles qui sont toutes fraîches, qui sont arrivées de la semaine dernière. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire que vous ne voyez pas ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc les solaires binocles, je vais me rapprocher parce que je pense que vous n'allez pas trop voir. Et hop, sur le présentoir que les filles ont bien coucouné. Je pense que vous voyez, n'hésitez pas à me dire hein, pour ceux et celles qui regardent. Donc, une petite partie des solaires binocles que je vais vous présenter. On les a déjà eu, les solaires en tout cas, la marque on l'a déjà eu. On a des nouveautés qui sont arrivées pour cette collection. Une collection qui cartonne et justement je devais la faire plus tôt, mais malheureusement le temps m'a manqué. Donc il m'en reste encore un petit peu, j'ai eu peur de ne plus en avoir, mais il m'en reste. Donc on y va, je ne vais pas trop traîner comme d'habitude sur les solaires. Je vais vous présenter une petite partie de la collection. Alors, on y va. Pour le modèle, je ne les connais pas par cœur bien évidemment, Mona. Alors, je vais vous les porter, ça va être plus facile. Je n'ai pas le masque, c'est top. Alors, la Mona, vous allez voir, elle est papillonnante. Elle est très très jolie à porter. Alors, je vais vous présenter, je vais vous refaire après la présentation des verres. Donc, la petite Mona. Elle est papillon, vous voyez, elle est dorée. Vous avez les branches en doré. Papillon, alors elle est très chouette. Donc ce vert, c'est un vert dégradé. Alors vous allez le voir. Je rappelle le vert dégradé, vous le voyez, je pense, à l'écran, plus foncé en haut et plus clair en bas. Donc le dégradé, c'est très joli, c'est ce que je dis beaucoup souvent à mes clients esthétiquement. Pour ceux ou celles qui ne sont pas fragiles des yeux, il n'y a aucun souci. Par contre, c'est vrai que pour ceux et celles qui sont un petit peu embêtés par le soleil, du coup, il faut faire attention, hein. Plus foncé en haut et plus clair en bas. Donc ça, c'était le petit modèle Mona. Nous avons, je vais vous présenter celle-ci après. Donc en métal, hein, toujours. On est sur vraiment métal, métal. Alors, celle-ci, donc là, je vais vous les représenter hein, en photo tout à l'heure, si j'ai le temps. Athéna. Donc là, Athéna aussi, vous voyez une forme plus carrée. On est sur du doré. Tout doré, les branches. Et là, nous sommes sur un vert brun. Alors, ça ne va peut-être pas se voir à l'écran. On est sur un vert brun et l'autre était en doré.
Alors là, c'est pareil. Pour les verts, c'est seulement vous, quand vous êtes en boutique, qui vraiment voyez la couleur. Nous, on est là pour vous conseiller au niveau, en tout cas, des teintes, mais il n'y a que vous, en fonction de vos yeux, qui voyez un petit peu comment vous vous sentez. Hein, ça, c'est jamais évident. Alors, celle-ci, en double vare, on est sur la modèle Brooklyn. Alors, elle fait mixte, hein, celle-ci. Donc, la modèle Brooklyn. On est sur du doré double barre, on est sur du métal. La petite Brooklyn, elle fait mixte, hein, celle-ci. Plusieurs coloris toujours, hein, sur les. Celle-ci doit exister en argent. Donc vous voyez, là on est sur un vert brun aussi dégradé. Il y a beaucoup de dégradés, hein. Et vous voyez ma petite Mona de tout à l'heure, si je ne me trompe pas, c'est la Mona. Elle existe en noir, en vert gris aussi, tout en noir pour celles qui n'aiment pas le doré. Donc ça, c'est un modèle féminin. Voilà pour mes petites métal. Est-ce que j'en ai d'autres? J'en ai toujours d'autres qui traînent. Alors je m'excuse, je remets mes lunettes, je n'y vois pas sans lunettes. Au niveau des binocles, elles sont toutes parties très très vite. Alors j'en reçois encore un petit peu. J'en reçois encore un petit peu cette semaine. Alors, non, pour les petites modèles femmes, elles sont très très vite parties. Je vais vous faire le tour sur les combinées femmes. On est sur la modèle Lisa. Alors, les combinés. Alors, les combinés, on dit toujours qu'est-ce que c'est. Vous avez la petite partie métal, ici, la petite partie métal sur la branche, et vous avez l'entourage en plastique. Donc, vous voyez, un tout petit peu plus épais. Et celle-ci est en écaille. Écaille dorée. Et donc, on est sur un vert. Alors là, on est sur un vert miroité. Alors, les verres miroités, je vais vous refaire le petit tour tout à l'heure. Je pense que vous en souvenez, je vous en avais présenté qu'est-ce qu'un verre miroité. Donc, catégorie 3 toujours, hein, elles sont toutes en catégorie 3. Le verre miroité, esthétiquement, c'est aussi très joli et la protection, c'est la même. C'est juste que vous avez un petit côté fun en plus. Donc ça, pour les combinés, celle qui cartonne aussi, modèle Coachella en rond. Alors là, on est sur un entourage rond, noir, et là on est plus sur du argent, et on a aussi notre miroir sur cette monture, donc miroir rose. Pour celle-ci, on est toujours en chez nos femmes, hein. Je vais vous présenter des petites collections messieurs, donc les femmes chez Binocle, on a aussi à peu près fait le tour. Allez, on passe chez nos garçons. Alors, je n'ai pas d'homme avec moi aujourd'hui. Allez, donc là, on y va pour les garçons. Ça va faire pareil, vous allez me voir tout autant. Alors, on est principalement, par contre, sur celle-ci en plastique. Hein. On est sur de l'acétate plastique, donc noir. La branche est bleue et on a le miroir bleu. Beaucoup chez les garçons, hein, c'est le miroir bleuté. Vous voyez, ça donne un style. C'est beaucoup. En ce moment, on fait beaucoup de miroirs chez nos garçons. Alors, vous avez un modèle plus rond. Vous voyez, ça fait mixte, hein, aussi ces petites montures. Donc là, on est sur du translucide. Translucide, transparent. La monture branche bleu ciel. Et on est sur un miroir bleu ciel. Vous voyez, c'est plusieurs miroirs bleu ciel pour celle-ci, pour nos garçons. Forme plus droite. Alors, elles n'ont pas de nom, hein. Elles n'ont pas de nom, mes montures hommes. Alors, vous voyez la forme plus droite. Donc là, elle est un petit peu large. Hein. Donc, on va dire que c'est pour des plus grandes têtes. On est toujours sur notre monture en plastique acétate, en noir et miroir bleu. Beaucoup de miroirs bleus. On passe. Orange, les filles me les ont classées, je pense, par couleur de verre. Donc, pareil, toujours de l'acétate, c'est beaucoup plus fin, une monture noire avec le miroité orange qui fait aussi beaucoup mec. Hein. L'orange bleu, c'est beaucoup mec. Allez, je vous en réessaye une, forme droite. Donc, vous voyez, ces femmes, ces hommes, c'est mixte cette collection. Et elle fait aussi les enfants. Je vous l'avais présenté aussi, elle fait aussi les enfants, cette marque. Donc là, on est sur une couleur gris, ça doit être du translucide. Oui, on est sur du translucide gris. Et on est sur un vert plutôt rouge.
Voilà. Allez, je vous en présente une autre, une petite dernière chez Binocle. La classique, la passe-partout, celui qui ne veut pas de miroir. C'est possible. Voilà, vous avez la toute classique en noir, le vert gris, tout en noir. La passe-partout, la classique. Alors, je vous rappelle juste, donc, toutes les montures hein, sont... Toutes les montures, vous pouvez les faire à votre vue sans problème. C'est vous qui choisissez la teinte du vert comme je vous ai présenté, soit le miroir avec plusieurs teintes ou soit en vert gris. Les plusieurs teintes, je vous les rappelle. Vous avez, alors je n'ai pas le rose, je vais vous la présenter. Alors la rose, c'est la mienne personnellement que j'ai depuis l'année dernière qui cartonne. C'est la même à la Mona. Donc vous voyez, elle est dorée et vous avez le miroité rose. Voilà, c'est la Mona que je vous ai présentée. Celle-ci, elle se fait encore, hein, largement. Donc vous avez le miroité rose qui existe. Et vous avez tous ces miroirs. On a le vert, le jaune, le bleu ciel. On est sur du gris, du rouge. Et je ne vois pas, c'est du orange à l'écran, du jaune. Or, donc ça, vous pouvez tous les faire hein, en fonction de votre teint. Et puis les effets classiques, gris, vert et brun normal et les effets dégradés. Donc ça, n'hésitez pas, on est là pour vous conseiller, pour vous dire hein, le mieux esthétiquement. Et après, la couleur, souvent, c'est vous qui choisissez. Donc les solaires Binocle, n'hésitez plus, vous voyez, il me reste plus beaucoup, je vous en ai présenté un petit peu, elles sont très très vite parties. Je reçois un reliquat de quelques montures la semaine prochaine, donc n'hésitez pas, je n'aurai pas l'occasion de faire un live donc pendant après quelques semaines. Repos oblige pour nous un petit peu à partir de vendredi, le magasin reste ouvert aux heures d'ouverture, mais on prend un petit peu de repos qui sera bien mérité. Je vous présente juste 2-3 collections parce que le live va un peu traîner, sinon on a reçu aussi toute la collection Osmose Optica polarisée. Donc c'est une autre collection, que Binocle, mais c'est pareil, elle est en combiné, vous voyez, elle est métal. C'est juste pour vous montrer un petit exemple, on a reçu... Voyez, regardez celle-ci, elle est magnifique, le côté doré, le petit dégradé, donc doré de la monture et c'est du noir. Excusez-moi, c'est jamais évident sans lunettes, donc noir et dégradé. Donc ça, c'est la collection Osmose. Donc pour tout ça, pour vous dire que les solaires sont vraiment, on a refait un réassort, donc n'hésitez vraiment pas, ça va nous requinquer un petit peu. Puisque le soleil s'est un petit peu caché ces derniers jours. Donc, on a à peu près, oui, plus de 150 modèles hein, quand même qui sont ré-rentrés. On va essayer de voir en fonction de la saison. Sinon, on ne va pas hésiter à vous en recommander. Voilà, je ne traîne pas plus. N'hésitez pas à passer en magasin, voir toute notre collection solaire. Quant à moi, je vous retrouve probablement, ça va être maintenant courant juillet, après quelques jours de repos. Mais on se retrouve très vite. Je vous embrasse. N'hésitez pas à passer en magasin. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt !